Bonjour, voici tout de suite l'essentiel des nouveautés, des retours et des inédits des 7 prochains jours à la télévision, le Top TV de la 27e semaine et pour le début de l'été, générique. Le mois de juillet commence ce samedi soir sur TF1 avec 30 ans d'émissions cultes sur France TV Sport, France 2, France 3, c'est le Tour de France 2023 en direct à Bilbao. En prime sur France 2, c'est le retour de Fort Boyard. Et puis de sa seconde partie de soirée, toujours plus fort avec Willy Rovelli. Sur M6, NCIS, épisode 19 de la saison 20. Et puis sur Gulli, Total Wipeout, le retour. Rendez-vous 8 rue de l'Humanité ce dimanche soir sur TF1, sur France TV Sport, le Tour de France en direct, en Espagne, France 2, France 3, sur France 2 en seconde partie de soirée, David Guetta en direct, un concert à 23h15, sur France 3 les enquêtes de Dan Semaval en prime, épisode 4 de la saison 2, pour France 5 c'est les 100 lieux qu'il faut voir d'abord, Indy et la route Napoléon, puis une maison, une artiste, le retour avec Annie Cordy. Sur M6 Capital, les vacances de rêve 30% moins chères et du football en direct sur W9 avec les espoirs. Retour de Camping Paradis en inédit ce lundi soir sur TF1. France TV Sport bien sûr en direct, le Tour de France qui revient en France vers Bayonne. Sur France 2 en prime, c'est l'intégrale de la saison 3 de Black Mirror. Sur France 3, on partie soirée un doc sur la canicule 2003. Sur France 5, sur le front, le bio avec Hugo Clément. M6, c'est le retour de En Famille à 20h30 pour une nouvelle saison. En prime, c'est la nouvelle émission Coup de foudre au bout du monde. Et on reste dans l'univers de l'amour avec Ici, on se rencontrait en seconde partie de soirée. W9 vous proposera C'est la famille, c'est nouveau en access. Et puis sur Chérie 25, retour pour la saison 3 de North à Nordholm. Ce mardi, TF1 dégaine la 9e saison de The Voice Kids en prime. Sur France TV Sport, le Tour de France en direct de Dax à Nogaro. Sur France 2 en prime, c'est le Big Show de Jarry Lilly. Sur France 3, Prière d'enquêter, dernier épisode de la saison 1, le 6e. Sur France 5, les routes de l'impossible de retour avec l'Inde. Sur M6, Zone interdite inédite avec la croisière autour du monde. Et sur Gulli, un film inédit, Jurassic World. Ce mercredi, le Tour en direct, bien sûr, sur France TV Sport Pau, la Reims. Sur France 2 à 20h50, ainsi Grand Soleil, avec plein d'épisodes inédits à la suite. Sur France 3, la carte au trésor de retour en Maurienne avec Cyril Ferraud. Sur France 5, l'excellent film d'Antoine de Maximi, inédit en clair, J'irai mourir dans les Carpates. Et c'est inédit aussi sur M6 en deux parties, l'incroyable embouteillage. Ce jeudi, le Tour en direct, bien sûr, avec l'étape reine des Pyrénées, Tarbes, Cotteret. Sur France 2 en prime, les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Sur France 3, retour d'OPJ pour une 4e saison. Sur M6, c'est le film inédit en clair, Mission Impossible Fallout. Sur W9, du football en direct, Irlande-France. Sur Gulli, vous retrouverez Top Chef, World All Stars. Et la folle vie des forains est à l'honneur sur RMC Story. Enfin, ce vendredi, la 8e saison de Ninja Warrior, déjà de retour sur TF1. Sur France TV Sport, bien sûr, le Tour avec Mont-de-Marsan Bordeaux en direct. Sur France 2, en seconde partie de soirée, Drag Race France, deuxième épisode de la saison 2. Sur France 3, un jour un destin consacré aux splendides, sur France 3 donc. Sur France 5, en seconde partie de soirée, Welfare, la pièce de théâtre en direct. L'informateur sera sur Arte à 20h55. Et sur C8, les flots bleus, un doc sur le camping mythique. C'est tout pour le Top TV, bien rempli cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, et à demain.